ça, on va mettre dessus. Charlotte, tu peux peut-être aller remplir ça à fond. C'est au milieu là, derrière la petite table. Oui. Au milieu. Mais c'est sur les courgettes. On va pouvoir empiler. Le mieux c'est de rester de pas monter dedans. Moitié moins cher. D'accord, après on dit que c'est cher. C'est... Oui, parce que les gens savent pas le prix. Ils savent pas le prix, ouais. Parce que 20, c'est 20 euros, c'est ça hein. 20 euros, ouais. Et bah, c'est une des payes de la moitié. Ah ouais, ok, de 33 en bio. Hein. Réussi à en avoir alors. Ouais, sous tunnel, ça va, j'arrive bien à les garder. 1 kg, 0,0. Et 17,50. Merci. Et du coup, je mets ça. Oui, soit elle, soit moi, on repasse tout à l'heure. Mets ça là. Donc voilà, je fais un marché à Vézelay le mercredi matin, un marché le vendredi soir à Aquin, donc là c'est 3 km aux alentours de l'exploitation. Après je fais on essaye de développer un petit marché de producteurs aussi à Brosse. Et un 24. Salut. Salut, ça va? Ouais, ouais. La première année c'est super bien passé, bah, le climat excellent, super beau temps pendant 5 mois. J'avais remis tout système d'irrigation, ce qui nous a grandement aidé, parce que sinon à mon avis j'aurais été bien embêté. Là la deuxième année est un peu plus compliquée avec la météo capricieuse. Bon, on s'en sort quand même bien, très bien même. J'arrive à faire entre 70 et 90 clients semaine. Moi, je vais semer, chercher les semences et puis je reviens. Quand tu fais 30 légumes, t'as toujours des loupés, des réussites. Ouais. Mais bon, ça te permet de jongler, c'est bien. Ah, vous étiez bien roux comme des queues de pelle au festival, là. Hein? On a sniqué un petit coup, j'ai dit. On a sniqué un petit coup. Ouais. Et on a fait le PP, là, on a tous les trois le truc agricole. Ok. On fait les trois DJA. Ok. C'est quoi DJA? DJA, c'est dotation jeune agriculteur, c'est les aides de la PAC. Okay. Et la banque, ils nous ont fait amen. Ouais. Ça baisse et du coup, au-dessus, ça ventile mieux, tu vois. Ouais. L'air, elle passe mieux. Yeah. Ce qui sent bon, c'est ça, c'est basilic citron. Okay. Et après, c'est traité. Moi, j'essaye de faire huile essentielle d'orange, bicarbonate de soude, du petit lait, de la purin de prêle. Ouais. T'as quelques plans en trop à vendre pour l'hiver, là, pour le terrain, quoi. Je peux te faire un peu de salade, si tu veux. J'ai vu qu'il y avait des petites salades, j'ai vu qu'il y avait des petits choux, je suis déjà passé. Hein, T'as le gabarit là? Oui. Tout comme ça, oui. Tu vois. C'est bien, tout ce qui est joli, essayer de t'enlever, que ce soit beau. A toutes. Je vais dans les tomates. Bonjour! Non! Mais j'arrive en faisant la caisse, je me suis dit putain, les blettes ça fait tant que ça pour faire 4 kg dans une caisse? Ah, il en faut, je l'appelle. Surveiller aussi le chien? Oui.
Oui. Pars-toi, mon toutou. Oh, arrête! Non! Bon, t'as les deux. L'apéro. Donc, on n'est pas là pour être riche, on n'est pas là pour la gloire. Mais niveau satisfaction, c'est que du bonheur quand on voit les clients sur le marché en vente directe. Moi, je vends à 10 km maximum aux alentours. Enfin, tout le monde est fidèle, ils reviennent tous les mercredis, tous les samedis, tous les vendredis, ils sont tous là. Et voilà, ça fait plaisir.